Bien, là, que ça donne de faire des devoirs, de toute façon, il n'y aura plus de planète. Marie-André, mère de quatre enfants, a tout changé à partir de ce moment. Elle avait 13 ans à l'époque. Elle m'a dit, euh, dit De toute façon, moi, je pas d'enfants, il n'y aura plus de planète. Cette éco-anxiété vécue par de nombreux enfants est à la base de l'implication de Marie-André avec Mère au Front. Si tu n'es pas capable de te projeter plus tard, comment tu peux avoir ton présent? D'avoir pris action maintenant, bien, il y a quatre ans, le discours de ma fille a changé. À un donné, tout elle dit ah, « maman, quand je des enfants... » Cette sensibilisation des plus jeunes est de plus en plus importante. Votre fille, elle a quel âge? 12 ans. Puis elle est déjà sensibilisée à la cause? Ah oh oui, depuis toujours, c'est vraiment important pour elle. La nature était ici avant nous, et nous, on est venu puis on a tout changé, puis on a tout massacré. Donc, j'aimerais ça qu'on fasse plus attention pour que ça redevienne un petit peu plus comme c'était avant. Ce rassemblement à Montréal, mais aussi Québec et Saguenay à l'occasion de la Fête des mères a pour but de lancer un cri du cœur au gouvernement. Quand on voit la réponse du gouvernement qui n'est pas à la hauteur, ben, ça nous inquiète. Puis on est en colère aussi, mais on, on transforme cette colère-là en action. De toute façon, on s'en va vers un mur. Il va falloir qu'il y ait des, qu des décisions qui soient prises. La raison principale, celle de l'accélération des phénomènes climatiques. Si la saison des feux de forêt est déjà enclenchée dans l'Ouest, plusieurs se souviendront de la dernière année au Québec qui s'annonce chaude encore une fois en 2024. C'était une année vraiment tous les records en 2023. À savoir si on va dépasser euh, ça en 2024. Si les spécialistes s'entendent pour dire qu'il y aura une hausse de ces phénomènes au cours des prochaines années. Les phénomènes météorologiques extrêmes, incluant les feux de forêt, avec les conséquences que ça a sur, euh, sur les populations, ça, on n'est pas mal sûr qu'on est dans une tendance à la hausse. La soupe-feu se dit prête à combattre les feux de forêt. Une des raisons aussi pour lesquelles on a une grosse c'est que même si 2023 nous semble une anomalie, euh, c'est une anomalie qu'on risque de, qui risque de se reproduire un petit peu plus souvent qu'avant. Marc-Antoine Lemoigne, TVA Nouvelles, Montréal.